Mais pourquoi tu t'arrêtes? Ouais, il y a un parpaing là. Tu t'en fous, tu le contournes. Louise, pas laisser ça là, c'est dangereux. Ok, mais tu te dépêches, hein. Ouais. T'es déjà en retard là. Ouais. Y'a un problème? On a croisé personne depuis une demi-heure, et là, pouf, un parpaing au milieu de la route. Tu trouves pas ça bizarre? Non. Mais c'est pas bizarre. Y'a plein de trucs bizarres dans la vie. Y'a des gens qui disparaissent mystérieusement. Les gars qui gardent leurs chaussettes pour baiser, ça c'est quelque chose de très bizarre. Mais ça... Ça va pas nous empêcher d'y aller. Ok? Il a pas été posé là par hasard. Il a été mis là. Mais pourquoi? Oui, ma chérie. Mais on arrive bientôt. On a eu juste un petit contretemps là, mais on est pas loin, on arrive. Ouais, vous pouvez faire patienter un peu tout le monde encore là, c'est bon? Non, c'est pas vrai, il est pas venu. Oui, désolé, on arrive, on se dépêche. Christophe? Christophe? Ouais. Putain, qu'est-ce que tu fous? Je vérifie qu'il n'y a pas de mouchard. On a peut-être été suivi. On a peut-être été suivi? Tu te réveilles au BI toi maintenant? Si c'était le cas, je te le dirais pas. Il y a quelque chose de grave qui se trame ici. C'est toi qui es grave, là. On s'en fout, c'est juste un parpaing qui est tombé d'un camion. Et tu sais quoi, quand bien même ce serait une scène de crime, je m'en fous. Il y a le mariage de ma meilleure amie, là. Ben non, Louise. Ben non. Béton, c'est fragile. Là, tu vois bien qu'il a rien. C'est peut-être des enfants qui l'ont mis là, pour jouer, je sais pas. Des gosses? T'as vu combien ça pèse, ça? S'ils avaient voulu que ce soit un accident, ils auraient utilisé quelque chose de plus gros. Un tronc d'arbre... Christophe, je te donne 20 secondes pour démarrer cette voiture. Sinon, je te laisse là, ok? T'as raison. Il y a au moins 1000 raisons pour expliquer la présence de ce parpaing. Merci. Allez, on y va. Juste donne-moi une. Une quoi? Une raison logique pour expliquer la présence de ce parpaing. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un psychopathe. C'est un psychopathe qui s'est fait cocu par sa femme. Et qui, du coup, depuis, arrête toutes les demoiselles d'honneur en mettant un parpaing devant leur voiture pour après les séquestrer, les enfermer, les violer peut-être. Ou alors non, bah non, c'est des scientifiques. C'est des scientifiques qui étudient les comportements humains et qui du coup mettent un parpaing sur une route pour voir comment les gens y réagissent face à ça. Je sais. T'as pas fait ça? T'as pas oublié la fermeture automatique? Putain, Christophe, mais si c'est pas un tueur en série qui va le faire, c'est moi qui vais te tuer, je te jure, là! Je pars pas.
pas qu'on a un accident. Ils voulaient qu'on s'arrête. C'est eux. Louise! Là. Louise, arrête! C'était pas prévu ça.